Shalom Église de Jésus-Christ, shalom peuple de Dieu, que la grâce de Dieu vous couvre encore ce soir. À travers ce direct, je voudrais que vous puissiez le partager aux bien-aimés, aux frères en Christ, au sein des différents groupes auxquels vous appartenez. Partagez maintenant. Je vous invite à le faire. Partagez ce live. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce. Merci pour ton amour et ta fidélité. Pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu fais. Seigneur, sois encore élevé. Seigneur, nous te bénissons. Louange et honneur à toi seul. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi. Pour ces instants, pour ces temps. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci. Sois encore élevé. Sois encore glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te bénissons. Louange et gloire à toi. Louange et gloire à toi, Seigneur. Sois encore élevé, sois encore béni. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. À toi la gloire, le règne. À toi la louange. Sois élevé. Merci encore pour la révélation de ta parole. Merci parce que tu ne cesses de parler. Merci pour la révélation de ton esprit. Merci Seigneur. Toi qui révèles les choses cachées. Toi qui parles encore à l'église. Toi qui parles encore à l'épouse. Je veux te rendre la gloire. Sois encore glorifié. Béni sois-tu. Hinur shayin de kandorusnur. Mor shayin dara kandorusnur yurumanad. Hinur shukuru barabara. Nous te bénissons, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Oui, merci Seigneur. Tu es élevé, tu es glorifié. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Merci pour ta parole ce soir. Seigneur, ta parole, merci Seigneur, toi qui parle pour instruire ton peuple, pour instruire ton église. Vous qui me suivez à l'instant, partagez à vos amis sur Facebook, dans Messenger, partagez à vos amis, à vos groupes dans Facebook, partagez. Ce que le Seigneur va encore dire ce soir est très très important pour le corps de Christ, pour l'Église. Partagez cela. Je vous invite à partager. Partagez cela. Indur shakandur snur yoru manashir. A indur shou mahandar shti karavanayu. Yondurushi kandara bahandurushir. Indurushai andara bahandurushi karababa. Indurushuku mana handere verivere shindarasnu. Marashi kanduru kobababa. Je vous invite à partager, Indurushai arababa. Indurushu rababa. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va se révéler, va encore parler à son Église ce soir. Merci Seigneur, merci Seigneur. Partagez, je vous invite à partager.
Marche d'Iknis Nekandaras Nour, Yosh Nour, Yor Shaikandere Kandarababa. Église de Jésus-Christ, soyez connectés ce soir. Partagez ce live, partagez cela. Partagez cela au maximum. Endere Shikarahandur Shoko Marandere. Yendur Shoko Marahandur Shirabarayi. Yendarashtayara. Yendur Shikandarababa Handur Shikarabarayi. Endur Shoko Marahandur Snur. Yendurus noru shikandara handuru shir. Mera shaya kandus noru shikereberebere. Yendurus shayandaras noru yuru shikerebere. Yendurus shukumana handuru shir. Yendara handuru shukuruma handuru shir. Yendurus shukumana handuru shikandaras noru yuru shir. Yendere kabana handu. Soyez la bienvenue ce soir à ce direct Église de Jésus-Christ. Je veux te partager la prophétie que le Seigneur m'a donnée pendant les temps d'intercession de cette fin d'après-midi, de ce mardi 18 mai 2021. Église de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit, je suis en train d'épurer l'Église au Gabon et dans le monde, comme l'on épure l'or. Le Seigneur dit qu'il est en train d'épurer l'Église au Gabon et dans les autres nations, comme l'on épure l'or. Il épure l'Église à partir de certaines situations. Il m'a dit qu'il est en train d'épurer l'Église. Il est en train d'éprouver l'amour de l'Église en ce moment. Il m'a dit que l'Église actuellement, que ce soit au Gabon et dans le monde, est dans la situation, dans la situation qu'a connue le peuple d'Israël, le peuple hébreu, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte et qu'ils se sont retrouvés dans le désert. Il dit l'Église, dans cette nation et dans le monde, est en train de passer par le désert. Et il se sert du désert pour épurer l'Église, comme l'on épure l'or. Parce que lorsque l'eau est épurée, c'est pour éliminer des éléments étrangers. C'est pour éliminer ce qui ne convient pas. Il m'a dit qu'il est en train d'épurer l'Église. L'Église passe par le temps du peuple d'Israël. Lorsque le peuple a fait 40 ans dans le désert. Et l'Église est en train de passer par cette situation. Il épure l'Église par le désert. Le désert du retard d'accomplissement des promesses et des prophéties. Le désert des difficultés. Le désert des problèmes. Le désert du célibat. Le désert du chômage. Le désert de toutes sortes de difficultés. Il est en train d'épurer l'Église. Il est en train d'éprouver l'Église. Il est en train d'éprouver par son feu l'œuvre de chacun, l'œuvre de chaque chrétien, la vie de chaque chrétien, la vie de chaque serviteur de Dieu. Il est en train d'éprouver par son feu, il est en train d'épurer. Et il m'a dit que dans cette œuvre d'épuration, il y en a qui vont tomber. Il m'a dit dans cette œuvre d'épuration, il y en a qui vont se retrouver comme ce peuple qui était sorti de l'Égypte, qui sont morts dans le désert. Et la mort dont il parle, c'est la mort spirituelle. C'est la mort dans la foi. C'est le relâchement. C'est l'assoupissement. C'est le fait que le zèle baisse. C'est le refroidissement spirituel. C'est le désengagement envers le Seigneur et envers son œuvre et envers son,
son œuvre et sa mission. Ils sont morts dans le désert. Mais il m'a dit que ceux qui vont tenir, ceux qui vont réussir dans cette œuvre d'épuration, pendant qu'il est en train d'épurer, ce sont ceux qui seront comme Josué et Caleb. Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit, étaient animés d'un esprit conquérant, étaient animés d'un esprit selon lequel ils sont restés enracinés sur ce que Dieu a dit. Ils sont restés fermes, ils sont restés attachés à la vision, ils sont restés attachés à la parole, ils sont restés attachés aux directives du Seigneur, ils sont restés attachés à l'amour de Dieu, ils ont continué à aimer Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la soif? Est-ce que c'est la famine? Il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Il dit qu'il est en train d'épurer l'église. Il est en train d'éprouver l'église pour voir si l'église encore l'aime. Comme il a dit à Pierre. Il a posé 3 fois la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, Seigneur, je t'aime. La 2e fois, il a dit oui. Et la 3e fois, la réponse de Pierre. Pierre sentait qu'il y avait un problème en lui. Pierre sentait que son amour n'était pas encore fort, n'était plus fort pour Jésus. Il lui a dit, paix mes brebis, paix mes agneaux. Il est en train d'épurer l'église à travers le désert. Il dit, beaucoup ont reçu des promesses, beaucoup ont reçu des visions, beaucoup ont reçu des prophéties. Dans ces prophéties qu'ils ont reçues, peut-être s'il y a 10 prophéties, ou 20, ou 15, il y a peut-être 1 ou 2 qui se sont accomplies. Il dit qu'il est en train d'éprouver. Il est en train d'épurer. À beaucoup, il a retardé l'accomplissement des prophéties et des promesses pour voir s'ils vont continuer à l'aimer, pour voir s'ils vont continuer à lui être fidèles, pour voir s'ils vont continuer à le servir, à l'adorer. Alors, il a retardé des prophéties. Il y a des prophéties qui sont retardées par lui. Et le fait qu'une prophétie tarde à s'accomplir, le fait que des prophéties tardent à s'accomplir, il m'a dit que c'est un genre de désert. C'est un genre de désert. Il est en train d'épurer l'église par le désert de la patience, par le désert du retard. Les choses sont retardées. Les prophéties sont retardées. Les promesses sont retardées. Il m'a dit que c'est un désert. Comme le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, leur prophétie, la prophétie de Cana était retardée pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Mais ils ne sont pas restés fidèles. Ils n'étaient pas animés du même esprit que Josué. Alors beaucoup se sont révoltés. Beaucoup se sont rebellés. Beaucoup ont regretté l'Égypte. Beaucoup se sont refroidis. Beaucoup sont morts dans ce désert. Et il m'a dit que ceux qui ne seront pas comme Josué et Caleb risquent de succomber, comme ceux-là qui sont morts dans le désert, risquent de succomber spirituellement. Josué et Caleb sont restés à leur poste, sont restés dans l'esprit que Dieu voulait. Le désert est en train de prouver. Il m'a dit qu'il y a beaucoup qui vont quitter leur poste. Il y a beaucoup qui vont abandonner leur mission. Beaucoup ne seront plus à la brèche. Beaucoup ne sont plus à leur place de sentinelle. Ils sont en train d'être épurés. Il m'a dit, il est en train d'épurer l'église au Gabon et dans le monde. À travers le désert du retard de l'accomplissement des prophéties, du retard de l'accomplissement des promesses, le désert des difficultés. L'église est en ce moment en train de passer par cette période, comme le peuple juif dans le désert. La prophétie était retardée pendant 40 ans, dans les 40 ans de désert. Il m'a dit dans ce désert, ceux qui ne seront pas comme Josué et Caleb, il m'a dit que beaucoup vont se refroidir. Beaucoup iront d'église en église et ils termineront comme d'autres qui sont à la maison. Il m'a montré beaucoup de chrétiens dans cette traversée de désert, ils iront d'église en église. Et pendant qu'ils iront d'église en église, il y en a ceux-là qui finiront par être à la maison, à ne plus aller à un culte, à ne plus continuer à servir.
dans un ministère, dans une église, dans ces temps de désert. Parce que c'est un temps d'épreuve. C'est un temps d'épuration. Parce qu'il est en train d'épurer. Il m'a dit, dis à l'église que je suis en train d'épurer. Je suis en train de l'épurer dans cette nation, le Gabon. Je suis en train d'épurer dans les nations du monde. Je suis en train d'épurer par le désert. Il dit, j'avais fait passer le peuple juif par le désert pour l'épurer. Pour épurer, pour ôter ce qui n'était pas de moi. Et pour éprouver son amour. Il dit, je suis en train d'éprouver la vie de beaucoup de croyants. Je suis en train de faire passer cela par le feu. Car je suis le roc, je suis le fondement. Et quiconque bâtit sur ce fondement, avec du bois, du chaume, avec d'autres choses, en dehors de ma parole, en dehors de ce que j'ai dit dans ma parole, son œuvre sera éprouvée par le feu. Il dit, je suis en train d'éprouver. Je suis en train d'épurer. Et pendant que je suis en train d'épurer, certains vont se disqualifier pour certaines missions. Beaucoup, certains vont refroidir. Plusieurs iront d'église en église. D'autres resteront à la maison. Ils penseront que c'est ma volonté, mais ce n'est pas ma volonté. Il dit, beaucoup iront d'église en église. Et quand ils verront qu'ils seront insatisfaits, ils verront que leurs besoins ne seront pas satisfaits, leurs désirs ne seront pas satisfaits, ils se retrouveront à la maison. C'est ce que le Seigneur m'a dit et c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Il m'a dit, ceux qui tiendront, ceux qui vivront ma promesse, ceux qui vivront mon Canaan, l'accomplissement, c'est ceux qui seront comme animés de l'esprit de Josué et Caleb. Il appelle l'église au Gabon et dans le monde à être animés de l'esprit de Josué et Caleb. Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit pendant la traversée du désert, d'un esprit de fidélité, d'un esprit de sacrifice, d'un esprit de persévérance, d'un esprit de patience, d'un esprit d'amour envers Dieu, d'un esprit d'attachement. Ils étaient attachés à la parole, d'un esprit de détermination, d'un esprit de fermeté. Ils étaient zélés, d'un esprit de soif et de faim de Dieu. Il dit, ce sont ceux-là qui vont tenir. Il m'a dit, mon fils, mon serviteur, beaucoup vont tomber. Il m'a dit, ne vous étonnez pas de voir plusieurs personnes dans des assemblées refroidir, se relâcher, abandonner, rétrograder, d'autres repartir à la maison. Il m'a dit, ne soyez pas surpris, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés parce que je suis en train d'épurer. Et pendant que j'épure, il y en a qui vont se retirer. Qui vont se retirer des assemblées. Qui vont se retirer des églises. Il y en a qui vont rétrograder. Il y en a d'autres qui choisiront de prier à la maison. Et pendant qu'ils prieront à la maison, il n'y aura plus la flamme. Il n'y aura plus cette flamme. Ils seront comme des religieux. Ils ne seront pas en train d'accomplir ce pourquoi je désire qu'ils accomplissent pour l'avancement de mon œuvre, pour l'avancement de mon royaume. Il dit, beaucoup leur amour va baisser. Il dit, je suis en train d'éprouver et purer l'église en ce moment. Je suis en train d'épurer l'église dans le Gabon et dans les nations. À travers le désert. L'église est en train de passer au travers d'un désert. Il dit, les difficultés que vous sentez, les choses ne bougent pas. Et pourtant, vous avez reçu des promesses. Vous avez reçu des prophéties. Dieu a mis sa main. Il a mis pause. Il a appuyé sur pause pour épurer. Pour voir ce qu'il aime. Pour voir ceux qui sont déterminés. Pour voir ceux qui vont continuer la course. Il dit, beaucoup prient, vous jeûnez, vous sentez que c'est comme si le ciel est fermé. C'est comme s'il y a une résistance des démons. C'est comme si le monde des ténèbres vous résiste. C'est comme si le ciel est fermé. Et pourtant vous priez, vous jeûnez. Il m'a dit que l'église est en train de passer par l'épuration. Il est en train d'épurer. Mais ceux qui vont être fermes, ceux qui vont tenir ferme, ceux qui seront fidèles, arriveront jusqu'à Canaan. Vont manger les fruits.
vont récolter les fruits. Il dit qu'il n'y a que lui seul qui connaît le temps que ce désert va durer. Qui connaît la durée de ce désert. Il est en train d'épurer l'église. Il est en train d'épurer l'église. Il est en train d'épurer les croyants. Il y a une épuration. Il m'a dit, je suis en train d'épurer l'église. Au Gabon et dans le monde. Comme lorsqu'on épure l'or. Et quand il épure l'or, les motivations sont éprouvées. Quand il épure l'église comme l'or, il éprouve les motivations. Ceux dont les motivations ne sont pas pures, ceux dont les motivations ne sont pas sur Christ, ceux dont les motivations sont pures et simplement charnelles, égoïstes, ils ne pourront pas tenir dans cette œuvre d'épuration. Il est en train d'épurer les ministères, il est en train d'épurer les églises, il est en train d'épurer les croyants, il est en train d'épurer. Et il m'a dit que pendant qu'il va épurer, de la même manière que lorsque le peuple juif était sorti du désert, une autre génération était née dans le désert. Et c'est la génération qui est née dans le désert qui est rentrée à Canaan. Il dit de la même manière qu'une autre génération est née dans le désert, il dit qu'il y a une génération qui va naître, une génération. Il y aura des nouvelles naissances. La nouvelle naissance dont il a parlé à Nicodème. Il y aura des personnes qui vont naître de nouveau. Dans cette traversée de désert, il y a des personnes qui vont naître de nouveau. Mais les chrétiens actuels, les chrétiens en ce moment, qui ont reçu Christ, qui sont dans des ministères, qui sont dans des églises, qui sont des simples croyants, qui sont diacres, qui sont anciens, qui sont collaborateurs adjoints, qui sont responsables des départements, responsables des comités. Il est en train d'éprouver, il est en train d'éprouver en ce moment tous les chrétiens qui croient, qui servent. Il est en train de les épurer. Et pendant qu'il épure l'église, Dieu est en train de préparer un vent de naissance de la même manière que une autre génération était née dans le désert. Pendant qu'ils étaient au désert, pendant 40 ans, durant ces 40 ans, il y a une autre génération qui est née là-bas, qui est née dans ce désert. Et Dieu dit que pendant ce désert, il y a des nouveaux convertis. Il y aura des nouvelles naissances, des enfants de Dieu qui vont, des païens qui vont naître de nouveau. Il y aura des nouvelles naissances. Pendant qu'il est en train d'épurer, il y aura des nouvelles naissances. Des personnes qui vont recevoir Christ, qui vont naître de nouveau, qui vont rentrer dans le royaume, qui vont expérimenter la nouvelle naissance. En dehors de cela, il y aura des nouvelles personnes que j'ai vu naître dans les ministères, des ministères suscités par Dieu, des hommes de Dieu. Alors le Seigneur dit ceci. Il dit qu'il parle en ce moment à ses joints au Gabon, à ses serviteurs qui sont restés fidèles. Comme les 100 prophètes que Abias avait cachés, qu'il nourrissait de pain et à qui donnait de l'eau. Il dit qu'il est en train d'épurer. Il dit qu'il parle à ses serviteurs, à ses joints. Il est en train d'épurer. Et pendant qu'il est pur, il y a des croyants qui vont quitter leurs assemblées, qui vont quitter leur ministère, qui vont quitter leur cellule de prière, qui vont se retirer. Il dit qu'à ceux qui lui sont fidèles, il dit que ne soyez pas surpris de voir vos ministères comme se vider. Parce que il y aura de nouvelles naissances. Il y aura de nouveaux partenaires. Il y aura de nouveaux collaborateurs qui vont naître dans ce désert. Il y aura des partenaires qui vont naître dans ce désert. Il y aura des collaborateurs qui vont naître dans ce désert. Il y aura des ouvriers. Parce que la moisson est grande. Il y a des ouvriers qui vont naître. Il dit qu'il s'adresse à ses serviteurs, à ses joints, à ceux qui sont restés fidèles. Comme les 12 qui étaient restés fidèles.
Parce que la Bible dit qu'à un moment donné, Jésus avait 70 disciples. Mais après, il s'est retrouvé avec 12. Il dit qu'il y aura des ouvriers qui vont naître dans ce désert. Il y aura des ouvriers qui vont susciter. Il y aura des pierres qui vont susciter. Des nouvelles pierres. Il va susciter ces ouvriers. Il va susciter, il y aura des nouvelles naissances. Mais il y aura aussi des ouvriers. Il y aura des ouvriers. Il dit heureux les croyants actuellement qui seront comme Josué et Caleb. La génération qui était sortie de l'Égypte. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont rentrés à Canaan. Les autres sont morts dans le désert. Il dit heureux sont ces croyants partout dans le Gabon, dans le monde, dans les églises, dans les ministères, qui seront comme Josué, qui seront animés de la détermination de Josué, qui seront animés de l'esprit de Josué, l'esprit qu'animait Josué. Josué n'a pas regardé au désert. Josué ne s'est pas arrêté à cause du désert. Josué n'a pas arrêté de servir à cause du désert, à cause de ce que les promesses ne s'accomplissaient pas, à cause de ce que les prophéties étaient retardées. Josué ne s'est pas arrêté. Et dans le désert, il y a beaucoup de choses. Nous avons vu que dans le désert, les Datans s'étaient révoltés, les Corées. Il y avait toutes sortes de crises. Dans le désert, il y a toutes sortes de crises. Il y a toutes sortes de crises qui sont en train de se manifester. Il y a des scandales, il y a des crises, il y a des querelles, il y a des rivalités, il y a des divisions. Dans le désert, il y a toutes ces choses. Mais Josué ne s'est pas laissé influencer par l'esprit qui animait Corée, qui animait Datan, l'esprit de révolte, l'esprit de rivalité, l'esprit de clan, l'esprit de la chair qui régnait au milieu du peuple juif pendant qu'il y avait ce désert. Josué ne s'est pas laissé influencer par cela. Josué est resté fidèle dans son esprit. Il ne s'est pas laissé refroidir par le désert. Il n'a pas laissé son zèle se refroidir. Il n'a pas abandonné les armes à cause du désert. Il dit, heureux sont ces croyants qui seront comme Josué. Il dit, heureux les croyants qui auront l'esprit de Josué. Parce qu'il est en train d'épurer. Et pendant qu'il est pur, il y en a plusieurs qui vont tomber dans ce désert. Plusieurs vont rétrograder. Plusieurs seront errants. Il m'a dit que beaucoup vont être errants. Ils vont errer d'une assemblée à une autre, d'une église à une autre. Il y en a qui seront errants. Et le diable va davantage les décourager. Et le diable va les mettre dans la confusion. Il dit que la confusion sera grandissante. Il sera grandissante. Et cette confusion va mener beaucoup à errer, ça et là, d'un ministère à un autre, d'une église à une autre. L'esprit de la confusion. Il y a eu la confusion au milieu du peuple juif. Lorsqu'ils sont sortis du désert, il y avait la confusion. Il y avait la confusion. Et l'esprit de la confusion règne dans l'église du Gabon et dans beaucoup d'églises dans le monde. C'est ce qu'il m'a dit. L'esprit de la confusion. Il dit l'esprit de la confusion a pour but de rendre beaucoup de croyants errants. Ils vont errer. Et d'autres, comme je le disais, selon ce que le Seigneur m'a dit, ils finiront leur course à la maison, à ne plus aller dans un ministère. Et là, le diable va mieux les atteindre. Il m'a montré beaucoup qui vont enterrer leurs talents. Comme la parabole dont Jésus a dit, celui qui est allé enterrer les talents. Il dit que beaucoup ont enterré les talents. Il dit que beaucoup sont en train d'enterrer. Et beaucoup qui ne seront pas animés de l'esprit de Josué vont finir par enterrer leurs talents. Ils vont enterrer leurs talents. Mais en enterrant les talents, ils ne savent pas qu'ils auront des comptes à rendre à celui qui leur a donné les talents. Alors, enfant de Dieu, sois dans l'esprit qui animait Josué. Il m'a dit que ce sont ceux qui sont animés de l'esprit de Josué qui vont triompher dans ce désert de l'épreuve, dans ce désert où il est en train d'épurer, il est en train d'épurer l'église comme on épure l'or, il est en train d'épurer. Il est en train d'épurer des assemblées. Il est en train d'épurer.
Il est en train d'épurer. Et pendant qu'il est pur, il y a une génération qui va naître. Une génération, il y aura des nouvelles naissances en Christ. Il y aura de nouvelles naissances en Christ. Il y aura des ouvriers. Il y aura des ouvriers. Il est en train d'épurer. Beaucoup d'hommes de Dieu verront des âmes et des brebis rétrogradées. D'autres se refroidir. D'autres ne plus emprunter le chemin de la maison de Dieu. Mais c'est l'œuvre de l'épuration. Il m'a dit, il est en train d'épurer. Il est en train d'épurer. Seuls ceux qui seront comme Josué et Caleb, ils vont continuer, ils vont être déterminés. Ils vont continuer à servir le Seigneur. Ils vont continuer à l'aimer. Ils vont continuer à le suivre. Ils vont continuer à fructifier leurs talents, leurs dons. J'ai vu beaucoup qui vont tomber, mourir dans ce désert. La mort dont le Seigneur parle ici, c'est d'abord une mort spirituelle. D'autres vont mourir en enterrant leurs dons, en enterrant leurs talents, en éteignant la flamme. Alors que la parole dit, il est écrit, n'éteignez pas l'esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Beaucoup seront en train d'éteindre. Il dit, heureux ceux qui seront comme Josué. Josué était attaché à Christ qui est la parole. Lui qui est l'eau qui sortait du rocher. Il suivait la nuée. Il dit beaucoup ne suivent plus la nuée au Gabon. Que ce soit des croyants, que ce soit des serviteurs de Dieu. Ils ne suivent plus la nuée, ni la colonne de feu. Ils ne suivent plus la nuée, Christ qui est la nuée. C'est pour cela que beaucoup sont dans la confusion. Ils sont errants. Ils sont en train d'errer. Et dans cette confusion, beaucoup vont être piégés par le diable. Parce que la confusion donne accès à Satan et aux démons pour mieux dérouter plusieurs, pour mieux les tuer spirituellement, pour mieux les refroidir spirituellement, pour mieux les rétrograder spirituellement. Il dit, heureux ceux qui seront comme Josué. Josué ne s'est pas laissé influencer par tout ce qui s'est passé dans le désert, par la confusion du désert. Par les difficultés du désert, par la rébellion du désert, par la révolte du désert. Josué est resté attaché. Il a suivi les instructions du Seigneur données par Moïse. Il est resté attaché à la vision. Il est resté attaché aux objectifs du Seigneur. Il n'a pas laissé son cœur se révolter. Il n'a pas laissé son cœur s'égarer. Mais il croyait en ce que Dieu avait dit. Il a réussi à l'épreuve de l'épuration dans le désert. Pendant que le Seigneur les épurait, Josué a réussi à l'épreuve. Josué a réussi à cette épreuve où ils ont été épurés comme l'or dans le désert. C'est ce que le Seigneur dit concernant l'Église, au Gabon et dans le monde. Il dit, il est en train d'épurer. Beaucoup ne comprennent rien. Pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi les promesses tardent à s'accomplir? Et pourtant, ils jeûnent et ils prient. Mais pourquoi tout devient difficile? Mais pourquoi tout semble être compliqué? Mais pourquoi leur famille n'est pas complètement délivrée, n'est pas sauvée? Beaucoup prient. Et pendant que je parle de cela, le Seigneur attire mon attention sur des femmes. Beaucoup de femmes qui ont des partenaires païens. Elles prient, elles jeûnent comme si elles ne prient pas. Mais l'homme, le partenaire semble ne pas changer. Dieu est en train d'épurer.
Bien-aimé, sœur en Christ, Dieu est en train d'épurer pour voir jusqu'où tu vas tenir. Si cet homme est pour toi, Dieu est en train d'épurer, il est en train de t'épurer pour voir si tu vas cesser de persévérer, si tu vas cesser de jeûner, si tu vas arrêter de prier. Beaucoup prient comme s'ils ne prient pas. C'est le temps où il est en train d'épurer, où nous sommes en train de passer dans ce désert, où l'église est en train de passer dans ce désert. C'est pour cela que vous voyez des prières, vous priez comme si vous ne priez pas, et pourtant vous jeûnez. Et pourtant vous avez prié pour certaines choses, et pourtant vous avez prié pour des dossiers. Ces dossiers semblent ne pas se décanter. Mais Dieu est en train de vous éprouver, Dieu est en train d'épurer, pour voir si vous allez abandonner la foi, si vous allez abandonner la mission, si vous allez abandonner votre tâche, votre rôle dans l'église, si vous allez vous relâcher à cause de cette difficulté, à cause de ce que cette situation ne se décante pas, à cause de ce que ce dossier n'avance pas. Dieu est en train de vous éprouver pour voir si vous allez encore être fidèle au rendez-vous de prière, au rendez-vous de sa parole, au rendez-vous de l'intimité avec lui, de la communion avec lui. Si vous allez encore être fidèle à évangéliser, à partager sa parole, à prier, à accomplir fidèlement votre mission. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur dit, heureux ceux qui seront comme Zacharie. Zacharie était en train de traverser par une situation. Il était avancé en âge avec Élisabeth, mais il n'avait pas d'enfant. Malgré toutes ses prières, toutes ses années, il priait. Mais Zacharie restait fidèle. Le Seigneur dit, heureux les chrétiens, les croyants qui seront fidèles à moi, à ma parole, à mon œuvre, à ma mission, qui seront fidèles, qui continueront à m'aimer, à me servir, à m'adorer, comme Zacharie. La Bible dit que c'était le tour de sa classe dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Mais ce jour, il ne savait pas que c'était la sortie de son désert. Dieu avait envoyé un ange et Dieu dit que les persévérants vont expérimenter le ministère des anges, la même manière que Jésus-Christ était dans le désert. Avait jeûné 40 jours, 40 nuits. Lorsqu'il est sorti de ce jeûne, les anges sont venus et le servir. Il dit, heureux ceux qui seront comme Zacharie. Ceux qui auront la persévérance de Zacharie. Zacharie avait une situation qui est restée des années, qui ne changeait pas. Sa femme Élisabeth était stérile. Il n'avait point d'enfant. Mais la Bible dit que c'était le tour de sa classe. Ça veut dire que Zacharie est resté fidèle. Malgré le désert, malgré cette difficulté, Zacharie est resté fidèle. Et Dieu l'a visité. Ce jour-là, pendant qu'il accomplissait fidèlement sa tâche, il ne savait pas qu'il devait avoir une visitation angélique. Zacharie honorait fidèlement sa tâche. Quand c'était son tour, il honorait fidèlement, malgré le désert qu'il vivait, malgré la difficulté, malgré le fait que Élisabeth n'enfantait pas. Il honorait fidèlement, il ne s'était pas relâché, il n'avait pas refroidi, il continuait. Et Dieu l'a surpris en le visitant. Le Seigneur dit, pendant qu'il va épurer, heureux sont ceux-là qui seront comme Zacharie. Il dit, heureux ceux qui seront comme Zacharie. Il dit, heureux les croyants qui seront comme Zacharie, au Gabon et dans le monde. Alors que la promesse tardait à s'accomplir, alors que Jean-Baptiste tardait à venir, il dit, heureux, parce qu'il est en train d'épurer. Ceux qui vont tenir ferme pendant qu'il est pur vont expérimenter notre dimension de lui, vont expérimenter notre dimension de sa grâce, comme Josué a expérimenté en arrivant à Canaan. Seigneur, je prie que ces paroles, ton Église puisse la garder au fond de son esprit et de son cœur. Je prie que plusieurs soient animés de l'esprit de Josué.
Je prie que nous ne restions pas dans ce désert. Que beaucoup soient animés de l'esprit de Josué, soient animés de l'esprit de Zacharie. Oui, Seigneur, c'est ma prière. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie pour mes bien-aimés, que je prie pour l'Église, que je prie pour tes élus, je prie pour tes fidèles, qu'ils gardent cette parole et l'obéissent, parce que tu es fidèle à ta parole, parce que tu es la parole, et tu ne mens jamais, tu ne mens point. Toi qui es en train d'épurer l'Église, tu es en train d'épurer, tu m'as dit que tu es en train d'épurer l'Église, comme lorsqu'on épure l'or. Béni sois-tu. Que nous soyons puissamment fortifiés dans notre homme intérieur par le Saint-Esprit. Seigneur, alors que nous sommes en train de traverser ce désert, alors que l'Église est en train de traverser ce désert, comme le peuple juif, le peuple hébreu, qui avait traversé le désert durant 40 ans. Oui, Seigneur, c'est ma prière ce soir, au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen.